madame, je suis venu vous dire bonsoir. Tout simplement, je ne réclame qu'un peu d'espoir. Espoir d'une visite, reviendrez-vous? Tout vous attend dans ma maison. Je vous invite, c'est le printemps. Oui, c'est vrai que de vous parler de printemps par un 17 décembre, ça doit vous paraître un peu ridicule. Mais c'est pas tellement ce que le calendrier marque qui compte, c'est ce que l'on ressent. Et juste au moment où Noël va arriver, la fête des jeunes, nous avons pensé ce soir ne pas vous présenter un vieillard, non, mais des jeunes. De la jeunesse, de la gaieté, de la fantaisie. Des jeunes qui font de la jeunesse. Oui, ce soir, place aux jeunes, place aux jeunes. Amusez-vous. Radio-Canada et ses postes affiliés, en collaboration avec General Motors du Canada, qui fabrique les voitures et les camions les plus populaires au pays, et les appareils frigidaires, vous présentent Musical. Une émission de Pierre Morin. Ce soir, un hommage des concessionnaires Chevrolet et Envoy. Que nous aimons bien, que les Canadiens aiment bien, qu'ils retrouvent toujours avec plaisir, particulièrement en musical. Quoique quand elle nous fait des infidélités, elle va souvent à Paris. Et quand elle revient chez nous, eh bien, elle laisse là-bas un petit peu de son cœur. C'est pourquoi ce soir, nous la recevons avec beaucoup de plaisir. Bonsoir, Aglaé. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Aglaé, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Aglaé. Je suis vraiment ravie de participer à l'émission musical et de chanter pour le public canadien. Je vous trouve en pleine forme en ce moment, c'est sensationnel. Oui. Et ça va être la première fois que vous allez passer à Noël au Canada, mais sans votre mari et sans votre petit fiston. Oui, c'est la première fois. Alors donc, il nous appartient à nous de faire oublier à Aglaé ce nuage au tableau et lui faire passer un beau Noël avec de beaux cadeaux comme celui-ci, par exemple. En 1962, Chevrolet vous entraîne dans un nouveau monde de merveilles. Voici la reine de ce nouveau monde de merveilles, la Chevrolet 1962. Pensez seulement à la voiture de vos rêves et ouvrez les yeux, la voici. C'est la Chevrolet 62. L'élégance des lignes et le confort. Tout ce que vous pouviez rêver, vous l'avez. Prenez place dans une Chevrolet 62 et vous constaterez qu'elle a tout le luxe et le confort d'une voiture bien plus coûteuse. Et les performances, ah, son roulement est doux comme le vol d'un jet. Souplesse et puissance font de la Chevrolet 62 la reine du nouveau monde de merveilles. Chevrolet, la voiture qui allie l'élégance, le confort, les performances et la souplesse de roulement. La Chevrolet 62. Et maintenant, la Chevy 2.
et la sportive de ce nouveau monde de merveilles, la Corvair 62. Regardons de plus près cette Chevet 2, la voiture qui place l'automobile moderne à la portée de tous, la voiture rationnelle par excellence. La voici, nouvelle, entièrement nouvelle, depuis sa conception même jusqu'à ses nouveaux et révolutionnaires ressorts arrière monolames qui feront date dans l'histoire de la suspension automobile. La Chevy 2, avec son allure nord-américaine, l'espace confortable apprécié des Canadiens, les performances et le roulement recherché par les conducteurs et toute l'économie dont vous pouviez rêver. C'est la voiture pratique dans le nouveau monde de merveilles Chevrolet. C'est la toute nouvelle Chevy 2. Voilà les modèles 62 que vous pouvez essayer chez le concessionnaire Chevrolet dès maintenant. La Chevrolet au roulement doux comme le vol d'un jet et la toute nouvelle Chevy 2. Le soir descend et je suis à la barre. Léger roulis, la mer est presque calme. Je me souviens, elle n'a pas toujours été comme ça. Quand elle est déchaînée, elle ne pardonne pas. Elle a brisé en deux un navire. Des copains que j'aimais bien ne reviendront jamais. Mais au fond, tout ça, c'est la faute du vent. Or à l'abri nous pensions, pour oublier il y a de la bière, des chansons. Le vent revint, les amarres n'ont pas résisté. Pour ne pas s'échouer, nous a fallu ancrer. Encore une soirée de perdu à terre. Le lendemain j'ai dit bonjour à la mer. Si je suis là, c'est la faute du vent. Y'en a qui croient que j'ai peur de la mer, qui ont jamais vu un naufrage, une tempête. L'océan, je suis toujours prêt à l'affronter. Si je partais demain, ce serait pour m'embarquer. Mais je sais, je ne serai plus le même. Le moindre vent me chante une misère. Vingt marins la chantent au fond de la mer. Vous n'avez pas reconnu notre invité puisque c'est la première fois, n'est-ce pas, qu'il apparaît à la télévision canadienne. Son nom, remarquez-le bien, c'est Pierre Calvet. Non seulement il chante ses chansons, mais il les écrit, les paroles et la musique. Eh bien, Pierre Calvet, maintenant, pour son première apparition à la télévision, chante en rappel La fille à matelot. Bonne chance. Ce soir-là, il y avait une fille qui chantait, et les gars tous muets la dévoraient des yeux. Mais la chance m'avait souri pour une fois, elle s'était promise à moi et se fichait bien d'eux. C'était une fille à matelot, on en voit dans les bistrots de tous les ports du monde. Mais je la trouvais plus jolie que celle des autres pays où toujours je vagabonde. Sur le port, quand mon bateau revenait, elle était là qui attendait. Je la voyais de loin et je savais que cette nuit tout irait bien. Ah, si nous restions aussi demain, il y avait mon cœur qui battait. C'était une fille à matelot, on en voit dans les bistrots. Quand elle me jurait son amour, je me disais un de ses bonjours, un autre sera de la ronde. À présent, nous n'avons plus le contrat qui permettait d'aller par là. C'est un sort bien malheureux. Si jamais par un hasard je la revois, lui dire je n'oserais pas que j'étais vraiment amoureux. C'était une fille à matelot, on en voit dans les bistrots de tous les ports du monde. Les quais sont déserts maintenant, y a plus personne qui m'attend. Quand je rentre au port, y a que des gars et là.
Le vieillard continuait sa lente allée et venue. Quel métier! Bon, ma femme à présent. Minute, que diable! Eh bien, en voilà du mystère. Tu fais donc de la fausse monnaie? Ferme vite la porte, que l'inspiration ne se sauve pas. Toc! Patience. Tu désires? De l'argent? Tu n'en as donc plus? Non, nous sommes le 1er octobre, alors paie-moi ce qui me revient et garde tes belles phrases pour les mettre dans tes romans. Ils en ont plus besoin que moi. Toc! Rira bien qui rira le dernier. Nous disons... 800, tu le sais bien. 800. 650. Voilà l'affaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ton argent. Il n'y a pas le compte. Comment pas le compte? Non. Que tu deviens imbécile. De 800 francs ôté 650. Reste 150 francs. Eh bien, donne-les-moi. Oh non. Pourquoi? Parce que tu me les dois. Moi? Mais voyons, qu'est-ce que tu me chantes? Tu ne m'as pas prêté d'argent. Et tes 150 francs d'amende. Oh, bah, décidément, moi, je parle à un fou. Quels 150 francs d'amende? Les 150 francs d'amende que j'ai eu le regret de t'infliger en punition de tes écarts de langage, rébellion en tout genre, etc., etc. Je vais te lire le détail, ça t'ouvrira les idées. Septembre du 1er. Pour avoir traité le sieur Triel de crasseux et de sale grigou, parce qu'il se refusait à acheter comme inutile et coûteuse une lanterne à verre de couleur en imitation de fer forgé. 2 francs 50. Hein? Quoi? Qui? Qu'est-ce? 2 francs. Pour avoir été surprise en train de démantibuler la lanterne de l'antichambre. Ceci dans le but de forcer le sieur Triel à en acheter une autre. À verre de couleur, en imitation de fer forgé. 4 francs 95. Oh, tu vas me donner mon argent ou bien je vais me jeter par la fenêtre. Saute. Allez, saute. Oh, tu serais trop content. Assassin. Assassin, assassin, oui. Octobre du 1er. Pour avoir menacé de se suicider sous les yeux du sieur Triel, 4 francs 95. Lâche, lâche. Pour ne l'avoir pas fait, 10 sous. Oh! Oh, j'en ai assez! Je retourne chez maman! Oh, quel métier! Le vieillard, tout à sa pensée, semblait ne pas s'en être aperçu. Eh bien... adieu. Eh bien, adieu. C'est égal. On m'aurait rudement étonné si on était venu me dire hier que tu me flanquerais à la porte aujourd'hui. Je ne te flanque pas à la porte, je ne te retiens pas. Voilà tout. Alors, ça ne te fait rien que je m'en aille. Ça ne te regarde pas. De quoi te mêles-tu? En tout cas, tu pourrais m'embrasser. Si tu veux. Eh bien, adieu. Donnez-moi mes 150 francs. Non. Je les veux, il me les faut, j'en ai besoin. Regarde-moi un petit peu, toi. T'as fait une bêtise? Laquelle? J'ai un effet à payer aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas de toi. Ce qui me surprend, c'est que tu as réussi à le passer. La loi refusant à la femme de signer des billets, le tien est nul et sans valeur. Ah, oh, pardon? Comment, pardon? Ben, j'ai imité ta signature pour faire croire qu'il était de toi. Et tu viens me dire ça avec ton air tranquille? Mais c'est un faux! Qu'est-ce que ça fait? Allez donc répondre à ça! De combien le billet? 150. Mazette! Une acquisition, peut-être? Une acquisition, en effet. Indispensable? Si on veut. Nécessaire, au moins. Ah, cela dépend. Enfin, utile! Oui! Et non... Une lanterne à verre de couleur! En imitation de fer forgé! Ça y est! Et où l'as-tu fourré, ton œuvre d'art? Va me la chercher que je la contemple! Allez, cours, vol, bondis! Non. Tiens, tiens, tiens. Regarde-moi encore, toi. Tu l'as cassé. En l'apportant! C'est pas de ma faute à moi si c'était de la camelote. Je me suis laissée tenter. C'est
je lui ai remis les cris que j'avais préparés d'avance. Alors il m'a remis la lanterne enveloppée dans un grand papier. Et une fois à la maison, quand j'ai voulu défaire le papier pour avoir la lanterne, le machet m'est resté dans une main et le chausse dans l'autre. Le machet est resté dans une main, le chausse. Tiens, t'es trop bête, les voilà tes 150 francs. Oh, merci, Edouard. Faussaire. Canaille. Mouche ton nez. Et les autres? Quels autres? Les autres 150 francs. Comment, il faut encore? Ben, ceux-là, c'est pour payer ton billet. Mon billet? Ben, les fils que je ne te revois plus. Alors, quand la banque passera, je verrai. C'est pourtant vrai que... t'es un bon mari. Oya kefalen, ka yen kefalon, ou kekei. Qu'est-ce que tu dis? Oh, rien, c'est du grec. Comme tu es gentil quand tu veux. Misère. Oui, maestro. C'est pas mal pour un début, hein? Eh bien, voici maintenant un vrai Bernie Field.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le voici. Elle s'habille comme lui, d'un pantalon, un blouson. Quand on les rencontre la nuit, on dirait deux garçons. Leur visage paraît masqué, comment deviner qu'ils s'aiment? Ils ont des jeux dangereux, c'est là qu'ils trouvent leur joie. C'est le temps de n'importe quoi, orge tendre et tête de bois. Ils ne se sont jamais dit le plus petit mot d'amour. Ils se baladent dans la vie en copains de toujours. Ils trouvent que c'est démodé de se l'avouer qu'ils s'aiment. Ils ont des joues de gamins, mais leur cœur est déjà loin. C'est le temps de n'importe quoi, orge tendre et tête de bois. Ils vont tous les jours au cinéma. Quand ils sortent du ciné, ils boivent un Coca-Cola. Et comme des habitués, ils écoutent la machine qui fait. Et tête de bois. L'amour t'a blessé, toi si fidèle, toi si jolie. L'azur de tes yeux et l'or de tes cheveux sont des trésors qu'il n'a pas su garder, sont des merveilles, sont des trésors qu'un autre amour saura te donner. Jenny, oh Jenny, un autre que lui vienne te prendre, toi si jolie. Au lieu de pleurer le bonheur qui n'est plus, les yeux fermés sur ton rêve perdu, sèche tes larmes, cours au soleil et libéré, regarde le ciel. Jenny, oh Jenny, un autre que lui saura te prendre et te garder l'amour que tu lui as donné. Merci.
escale à San Francisco, escale à Frisco, la nuit, le jour. Le jour projette sur Golden Gate l'amour. L'océan voit le bleu du feu de tes yeux et le soleil monte, monte, monte jusqu'à nous deux. Nous deux, toi contre moi avec les baisers que le ciel s'est donné. Tu t'étourdis de tant de temps d'harmonie. Tu chantes, chantes la vie, fête éternelle. Les pieds nus, tu danses, danses dans les rues. La joie d'un monde inconnu, toujours nouvelle. Escale à San Francisco, escale à Frisco, toujours. Voici le Pacifique et ses musiques. Présente la nouvelle Envoy 1962. Bien conçue, bien construite, une juste taille, un juste prix. À l'intérieur de la nouvelle Envoy, vous découvrirez tout le confort de ses aménagements séduisants et plus d'espace. En fait, assez d'espace pour 6 personnes. Oui, la nouvelle Envoy est vraiment d'une juste taille. Vous serez bien étonné quand vous découvrirez quelle quantité de bagages peut contenir le coffre caché dans cette arrière aux lignes nettes. Oui, la nouvelle Envoy est vraiment bien construite. Souvenez-vous qu'il y a 4 séries Envoy. L'une d'elles doit correspondre à vos besoins et à votre budget. Passez chez le concessionnaire Envoy et voyez le nouveau modèle 1962 qui est fait pour vous. Que nous faisons là, tous les trois? Eh bien, nous jouons du Pirandello. Oui, madame. Et oui, 3 personnages en quête de personnalité. Oui.
Parce que vous savez, à un moment donné, il arrive qu'on est fatigué d'être soi-même. Alors on voudrait être quelqu'un d'autre. Voilà. Et surtout chanter les chansons des autres. Ouais. Tenez, par exemple, moi. Mm. Moi, j'aurais voulu être un chanteur de charme. Ah, oui. Et vous conquérir, mesdames, en vous susurrant quelque chose comme ceci, par exemple. Qu'est-ce que je chanterais, non? Oui, je l'ai. Lisons. Il faut nous séparer. Je veux te dire, je t'aime. Un dernier baiser. Disons, il faut nous séparer. L'instant de notre amour a déjà trop duré. Et moi, j'aurais aimé chanter. A donné un amour merveilleux. Tu m'as donné ce qu'il y avait de mieux. Ton cœur et moi, nous te disons tous deux merci trois fois, merci. Depuis le jour où je t'ai rencontré, ma vie est belle comme un conte de fées. Tout cela, quoi qu'il puisse arriver, merci, trois fois, merci. Eh bien moi, c'est du folklore, j'aurais aimé chanter. C'est la sauvage du Nord qui en tirant ses vaches avec des potes aux pieds. Tout le long de la rivière, tantilipilipilipil. Dès que les sauvages étaient couchés par terre, il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Bien. Je dois vous dire que moi, un rêve de jeunesse que je caresse depuis longtemps, c'est qu'un jour mes parents m'avaient amené au théâtre Capitole à Québec entendre chanter un grand chanteur allemand qui s'appelait Richard Tauber. Maestro, please. Pour un peu d'amour, un peu. Cet instant divin m'est bien trop court. Où de cœur à cet instant suprême se disent deux mots de seul. Je t'aime. Ma vie sur ton épaule, bercée par le son de ta voix. Aïe, mourir d'amour, t'offrir ma dernière seconde, et sans regret quitter le monde, en emportant mon plus beau jour. Mourir pour toi. Tu n'as rien dans les poches que des rêves tout bleus, aussi bleus que tes yeux. Je t'aime. Tu n'as rien sur les lèvres que le sourire en fleurs de ton calme bonheur. Je t'aime. Tu n'as rien dans le cœur que des mots de velours, tous les mots de l'amour. Je t'aime. Je n'ai dans ma vie que toi et ton amour. Tout le long de mes jours. Thank you.
soirée où il y avait de bons cavaliers. Il s'est assis à mes côtés. Il y avait des beaux cheveux frisés. Il m'a dit Aglaé, mais mon nom c'est Ernestine. Il m'a dit Aglaé, voulez-vous on va danser? Profitons du printemps, profitons de nos 20 ans, profitons du printemps. Quand on sera vieux, il sera plus tard. À commencer dans une soirée. J'aimerais bien recommencer. Ce jour-là au bois de Chavis, il y avait du muguet. Si ma mémoire est docile, c'était au mois de mai. Au mois de mai, dit le proverbe, fais ce qui te plaît. On s'est allongé sur l'herbe et c'est ce qu'on a fait. Comme nous étions sous les branches, bien dissimulés. Samedi soir et France dimanche n'en ont pas parlé. Tout ça parce qu'au bois de Chavis, y avait du muguet. Some enchanted evening, you may see a stranger. You may see a stranger. Across the crowd, and somehow you know even then, that somewhere you see him again. C'est vrai qu'il y a des fois qu'on voudrait être dans la peau des autres. Eh oui, l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse. Et que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. On est bon. Vous pensez peut-être qu'avec tout ça, nous avons oublié que nous étions dans pleine période du temps des fêtes. Eh bien non, puisque maintenant nous vous montrons des jouets magnifiques, et encore plus que ça, ils sont vivants. Voici les Golden Kids. We'll be right back.
Je ne sais pas ce qu'il y a, mes amis, mais depuis ce matin, j'ai des envies. J'ai comme un long frisson qui m'envahit et qui me met le cœur en court-circuit. Et tout ce que j'aperçois aujourd'hui, que ce soit gros ou petit, je le veux aussi. Vive, 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 j'ai envie. J'aime le whisky, le céleri, les radis, tout ce qui se termine en i, j'en ai envie. J'aime les babas, les crottes en chocolat, tout ce qui se termine en a, moi j'adore ça. Les artichauts et les noix de coco, tout ce qui se termine en o, j'en suis dingo. Vive, 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 j'ai des envies. Je parais matérialiste, mais je suis aussi artiste, et j'ai bien d'autres envies. J'aime aussi la clair de lune, les promenades sur la lagune, et le violon de la nuit. Les longs baisers, les regards passionnés qui durent 2 heures et demie, j'en ai envie. Les folles étreintes et les gousi-gousis qui laissent anéantis, ça me poursuit. Les redis-le, les refais-le-me-le, tous ces petits trucs nerveux, j'en veux, j'en veux. Vive, 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 j'ai envie. Non. C'était une chanson tirée de l'opérette Coquin de printemps qui s'appelait J'ai des envies. Et maintenant, de Pierre Roche et Michel Vendôme, La belle vie. Autour de nous, ces 4 murs qui se donnent la main, farandole qui cache l'azur. Le ciel rose du matin, une mousseline pour nos deux cœurs, que l'amour réunit, ça suffit à notre bonheur. Et pourtant aujourd'hui, viens donc, on va se payer la belle vie. Allons, il y a trop longtemps qu'on en a envie. Qu'importe, on est sans sous. Mais lorsque l'on s'aime, on peut s'offrir à la terre et payer quand même. Viens donc, on va se payer la belle vie. Sous le soleil du mois d'avril, on se donnera la main. Le printemps ne tient qu'à un fil qui lie ton cœur au mien. Le ciel verra heureux qu'il va nous envoyer les flonflons des fêtes à nœuds de l'univers entier. Viens donc, on va se payer la belle vie. Allons, il y a trop longtemps qu'on en a envie. La ville n'attend que nous pour ouvrir la danse. Écoute déjà nos cœurs nous faire des avances. Viens donc, tous les copains n'y comprendront rien. Le grand ciel bleu nous prend par la main. L'amour a de quoi nous offrir ses folies. Viens donc, on va se payer la belle vie. Voici l'histoire d'un bien gentil pingouin. J'en connais un qui, un matin, est venu tirer la sonnette
Il arriva de très très loin, assis sur sa bicyclette. Il avait fait, à ce qu'il disait, tout le tour de la planète pour voir enfin le Parisien et admirer nos mannequins. Les pingouins, ça n'a l'air de rien. Mais les pingouins, c'est drôlement, drôlement malin. Pour me saluer, il a ôté sa jolie petite casquette, puis m'a offert un poisson vert assis dans une grande assiette. De mon côté, je l'ai invité à faire un brin de toilette. Il s'est rasé, puis m'a demandé à regarder la TV. Le pingouin, ça n'a l'air de rien. Mais le pingouin, c'est drôlement, drôlement malin. L'après-midi, je l'ai conduit dans les rues de la capitale. On a flâné dans les musées et bu un verre à Pigalle. Il a voulu, s'était couru, voir les tours de Notre-Dame. Et les passants, en le voyant, levaient les bras en disant « le pingouin, ça n'a l'air de rien. Mais le pingouin, c'est drôlement, drôlement malin. » Soudain, il vit venir vers lui un gardien du zoo de Vincennes. Il le suivit l'air tout contrit en me disant « j'ai pas de veine. Mais je reviendrai, je te le promets, chez toi la semaine prochaine. » Il est parti dans un taxi et c'est lui qui a conduit. Les pingouins, ça n'a l'air de rien. Mais les pingouins, c'est drôlement, drôlement malin. Youpi. Ils auraient bien pu mettre entre nous deux tout le poids du ciel. Ils auraient bien pu mettre entre nous deux tous les continents. Ils auraient bien pu mettre entre nous deux des jours sans soleil. Ils auraient bien pu mettre entre nous deux des jours sans printemps. Ils auraient pu crier à nos oreilles et demain est si loin. Il éloignera les amants qui étaient heureux la veille et qui n'auront rien, plus rien dans leurs bras. Ils auraient bien pu faner chaque fleur de ce monde entier. Ils auraient bien pu, mon cœur et ton cœur se seraient trouvés. Ils auraient bien pu mettre entre nous deux toutes les frontières. Ils auraient bien pu mettre entre nous deux tous les océans. Ils auraient bien pu mettre entre nous deux des jours de misère. Ils auraient bien pu mettre entre nous deux tous les pleurs d'amour. Ils auraient pu crier leur jalousie, faire battre au tambour pour nous séparer. Ils auraient pu empêcher toute vie, enfermer l'amour pour l'éternité.
des glaçons, mon bonhomme hiver. Tu ne feras pas peur aux filles, tant qu'il y aura des garçons. Tu peux bien nous faire la guerre, on s'en fout pas mal, car on est tout bal avec les sapins, tout plein de boules de cadeaux et de serpentins. Bonhomme hiver, t'es de retour en ville, avec ta neige, ton froid et puis tes glaçons. Bonhomme hiver, tu ne feras pas peur aux filles, tant qu'il y aura des garçons. Faut pas nous prendre pour des ours, et quoi que l'on va s'endormir pour toi, car même en hiver, c'est clair, l'amour ça ne peut vivre qu'au grand air. Bonhomme hiver, t'es de retour en ville, avec ta neige, ton froid et puis tes glaçons. Bonhomme hiver, tu ne feras pas peur aux filles, tant qu'il y aura des garçons. Tant qu'il y aura des garçons. La semaine prochaine, à la même heure que Music Hall, Radio-Canada vous présentera pour la première fois en français en Amérique un conte de Noël mis en musique par le maître Giancarlo Menotti, Amal et les visiteurs de la nuit, avec Réjeanne Cardinal, Richard Caron, Yolande Guérard, Roland Gosselin, André Lortie, Marcel Scott, dans une réalisation de Jacques Blouin. Comme tous les contes de Noël, ça commence « Il était une fois ». Il était une fois un jeune berger qu'on appelait Amal qui vivait avec sa maman, son oiseau et son petit chat dans une pauvre cabane. Il jouait très bien de la flûte et aurait été très heureux s'il avait pu courir après les troupeaux et jouer avec les autres bergers de son âge. Malheureusement, Amal était infirme et ne pouvait se déplacer qu'avec des béquilles. Or, il arriva que le soir de Noël, trois coups furent frappés à la porte de sa cabane. Il alla ouvrir ce qu'il vit, il ne put en croire ses yeux. Mais je ne voudrais pas vous raconter l'histoire et vous priver du plaisir de découvrir la suite et la fin de cette merveilleuse chose, Amal et les visiteurs de la nuit. Dimanche prochain, à la même heure que Music Hall, juste avant que les petits-enfants aillent dormir en rêvant au cadeau du Père Noël. Eh bien, mes enfants, merci beaucoup. Aglaé, bravo. Merci, très bonne émission, ça a très bien marché, en pleine forme. Merci, Jean. Et à tous les deux, je vous souhaite un joyeux Noël. La semaine prochaine. Radio-Canada et ses postes affiliés, en collaboration avec General Motors du Canada, qui fabrique les voitures et les camions les plus populaires au pays et les appareils Frigidaire, vous ont présenté Music Hall. Ce soir, c'était un hommage des concessionnaires Chevrolet et Envoy.